Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Fit Club. Ah, il y a une petite tête juste en dessous de moi. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau cours qu'on va partager ensemble avec un invité très spécial, Monsieur Raphaël, qui va venir superviser tous vos mouvements. Attention, il voit tout, Raphaël, il entend tout. Il est là. Allez, on attend que vous arriviez gentiment. Je vais mettre un peu de musique, comme ça vous allez dire dans les commentaires si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien tous les deux. Est-ce que les deux micros sont allumés? Mais oui! Oh là là, je me fais attraper, je me fais attraper, oh, je me fais attraper. Et puis, on va voir si justement la musique Bonne playlist. fonctionne. Yes! Tac, je vais mettre un peu plus fort. Toi, t'entends la musique? Eh ben, c'est parfait. Rien du tout. Mais c'est pas grave. Je partage, bien entendu. Bah oui. Et vous à Voilà. la maison, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous entendez un peu de musique? Ouais, dites si vous entendez la Dites. musique. Et puis comme ça, on peut. Ouf. Ah, tu veux toucher. Tu veux toucher le fit club. Oui, je sais, je sais. C'est déjà ça la dernière fois. C'est vrai? Ouais. Hein? C'est ça, hein? C'est ça que tu veux. Bon, c'est pas grave, tu vas faire. Donne-moi un écouteur comme ça. Hop. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parfait. Yes! Alors. Voilà, comme ça, tout le monde a de la musique dans les oreilles. Alors, sur le tel impeccable. Rien sur le PC. Ah bon, bah tu vois, ça dépend les trucs. Impossible de se connecter à partir de l'application. L'application quoi? Facebook. On vous entend, mais pas de musique. Ok, alors attends, peut-être que je vais mettre un peu plus fort aussi. Hein. Voilà. Là, je regarde si elle est bien réglée. Ouais, normalement, c'est ce qu'il faut. Hein. Ok, alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Oui, tous les deux. Sur téléphone, pas trop pratique. Bah, venez sur l'ordi. Hein. Venez sur l'ordi. Je n'entends pas la musique, alors qu'est-ce qu'on a maintenant? Alors, Anne qui nous dit, on vous entend, mais pas de musique, pas de musique, pas de musique. Oui, très bien, là. Coucou Anne. C'est ok, très très léger la musique. Ah ouais, c'est pour ça, faut la Ouais, mettre c'est plus léger, fort. mais voilà. Bon, elle est Pour légère, là. l'instant, on discute, c'est Voilà. mieux, mais on n'entend pas la musique. Si je la mets comme ça, normalement. Ah, mais non, mais c'est parce que ça bug, là. C'est tout lent, là. Ah, c'est ça. Bon, ça va revenir, hein, c'est le temps que. Ok, bon, alors du coup, l'idée aujourd'hui c'est qu'on fasse un hit, donc qu'on enchaîne les exercices les uns après les autres sans pause, d'accord? On va faire trois blocs aujourd'hui et bah, on va tout travailler. On va travailler les bras, les abdos, les jambes, le cardio. Ça va être complet, complet, c'est ce qu'on appelle full body, corps entier, d'accord? On Donc, va bien transpirer ouais, on aussi. va bien transpirer. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, qui nous rejoignent pour la première fois ou qui n'ont plus l'habitude, qui ne se souviennent plus comment ça fonctionne sur Fit Club, eh ben on est tous les deux, Aurélie et moi, Aurélie et Alex, et on vous présente les deux par version, les deux variantes de chaque exercice. Ça, vous pouvez faire la version simplifiée avec Aurélie et la version plus avancée avec moi, ou l'inverse, des fois, on va changer. D'accord? Et donc, l'idée, c'est qu'on travaille ben, pendant à peu près une trentaine de minutes à votre rythme. Hein, c'est important que vous vous entraîniez en fonction de votre niveau. Et puis, ben, du coup, que vous fassiez plaisir et surtout que ce ne soit pas un calvaire, que vous n'ayez pas mal à la fin de la séance. Si vous ne faites pas partie des superwoman, si vous n'êtes pas encore une superwoman, vous avez la possibilité de le devenir grâce à Fit Club et au programme du même nom. Donc, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Il y a le lien qui s'affiche autour de la vidéo. Et puis, bah, l'idée, c'est de faire connaissance. Vous nous racontez un petit peu votre parcours, vos objectifs, les difficultés que vous rencontrez. Et si vous avez besoin d'aide, et bah, nous, on vous dira si on peut vous apporter ce soutien-là. Et on vous dira bah, comment fonctionne l'accompagnement, comment fonctionne le programme. Voilà. Bon, si ma voix résonne un petit peu, désolé, j'ai un petit souci avec le son en ce moment. Donc, on va régler tout ça. Et puis ensuite,
pas. Tout ira comme se déroule. Voilà. On est parti, du coup. Allez, en place. Bon, on n'a pas besoin de mettre la lèvre. Hein. Et je vais faire au poids du corps. On va commencer avec le premier bloc. Donc, chaque bloc comportera 4 exercices. Okay. Le premier bloc, on va le faire en mode échauffement. Et puis, on va monter un petit peu en puissance au niveau de la palpitation. Donc, allez-y. Si, pas de soucis. Par contre, si c'est extrêmement dur. Ralentissez un peu, faites des petites pauses et puis vous retrouvez. Voilà, du coup. Premier exercice. On est parti pour les jumping jacks. On commence sur les sauts. D'accord. Et puis, on va aller au fur et à mesure. Ok. Vous irez quand est-ce qu'on peut. Deuxième exercice, on va faire monter le genou. D'accord. Il tombe bien plus pour travailler aussi bien. Il a deux obliques. Troisième exercice, baisse. Et enfin, quatrième exercice, c'est là quand vous êtes deux comme nous, passez les côtés pour partir. Mais le sens de l'autre côté, on va faire le patineur. Donc on va mettre un pied derrière l'autre et on va partir sur le côté. Donc, l'idée c'est de descendre un petit peu pour travailler les cuisses et puis bah, avec le rythme, ça va travailler le cardio. Ok? C'est moi. Allez, la flemme, c'est les femmes qui bossent aujourd'hui. Allez, c'est parti. Donc, avec Aurélie, vous pouvez commencer directement avec les sauts. Vous allez la suivre avec moi, version simplifiée, c'est ce qu'on vient de vous montrer. 3, 2, 1, c'est parti pour 30 minutes d'exercice. Allez, échauffement, on y va. 1, 2, 1, 2. Et on passe à l'inspiration. Et le sourire, parce que c'est obligatoire. Ce sourire. Hein? Un seul obligatoire. Bien. Alors faites attention, il y a des messages bizarres hein, sur le chat. Ne cliquez pas. On se fait un peu spammer là. Ah ouais, on se fait même carrément spammer là. Bon. Oui, oui, vous allez devenir millionnaire. Vous allez devenir millionnaire. Exactement. Mais avant de devenir millionnaire, il faut envoyer beaucoup d'argent pour les aider à vous envoyer. Voilà. Allez. Next, deuxième exercice, montez genoux. Ici, hein, sans les sauts, et ici, avec les sauts. Ok? Allez, version simplifiée et version avancée. 3, 2, 1, et go! Allez, 1, 2, 1, et tournez bien le buste, hein, comme vous êtes avec Aurélie, avec moi, on reste droit. On fait les sauts. Allez, on y va. On y va. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Yeah.
2, 1, et tu accélères, fais tes montées de genoux. Allez, Raphaël, fais tes montées de genoux. Montre-nous. Allez, on est courage. C'est bien, encore. Et 3, 2, 1, à fond, comme ça. 10, 9, allez, on arrive à faire 8, 7, allez, continue, 6, 5, 4, 3, jusqu'au bout, 2, 1, et 2, ouais. Ouh là là, c'est un super bon poids ça. Attention, hein. Allez. Eh oui. Dernière fesse, troisième, respirez, reprenez. Deux. Votre respiration tranquille. Et on va partir. On y va, donc toujours sans les sauts. Ok, alors je suis avec. Dernière fesse, 3, 2, 1, c'est parti. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez, allons. Je suis là. On respire. Allez, encore. Allez, respirez bien. Allez, 1, 2. Et on sourit. L'exercice avec le smile. Allez, fais plaisir. On y va. On démarre la journée avec du sport. Allez, on va y voir le fait. Peu importe. Allez, c'est pareil, hein, c'est le début de la fantasme. Il faut vraiment vous regarder ce qu'il faut. C'est pas grave. Ceci. On y va. 3, 2, 1. Et accélère. 1, 2. Encore. Allez, reste. On y va. Et 3, 2, 1. À fond. 1, 2. Allez, encore. Jusqu'au bout. Et 3, 2, 1. Et tu relâches. Yes! Quatrième et dernier exercice de cet échauffement. On va faire le patineur. Donc, vous commencez jambes écartées. Vous allez faire passer une jambe derrière. On est revenu en vie. Une jambe derrière. On va commencer tranquille. Okay. Et puis du coup, avec moi, on va finir avec les sauts. Alors, Aurélie, on va continuer sans les sauts. Par contre, je vais faire avec Aurélie, aussi descendre plus bas devant moi. Okay, vous pouvez descendre plus bas. Allez, on enchaîne. Coup avec moi, on fait un petit saut. Par le côté. Allez. C'est la première fois que tu fais la vidéo, tu te lèves avec nous. Descends pas trop bas, pas de loin. Lui qui déjà comprend le mouvement. Respire bien surtout. Bien sorti, hein. On n'est pas en train de s'avacher comme ça. Et avec moi, on accélère. Encore. 1, 2. Et encore. Encore. 10. 10 secondes. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et c'est pas fini, on accélère. 1, 2, 1. 2, allez encore, 10, 9, 8, 7, 6, avec le sourire, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches. Yes! Bravo! Allez, on respire, échauffement terminé, buvez une petite gorgée, et surtout, ne répondez pas aux messages dans le chat de Moussa qui veut avoir, qui te propose un homme riche. Ça n'existe pas. On préfère un mari gentil, bienveillant,
Et s'il peut être un peu riche, ouais, si c'est pas plus mal. Ah voilà. Hein. Ok, si vous faites un replay, pas de souci. Je suis morte déjà, alors respire, respire. Hello Anna Maria, bienvenue. Ciao. Hello Claudie. Ceci est bien chauffé. Ouais, ouais. C'est bien ça. Un bon slogan, fessier bien chauffé. Ah, on va appeler un cours comme ça bientôt. Le cours fessier bien chauffé. Salut Nathalie, salut Linda. Merci pour vous. Hello les filles. C'est trop bien. Ouais, ça fait plaisir. Et regardez, nous on est raccord maintenant. Ouais, on a le logo partout. C'est cool ça. Colette, ça chauffe. Bah ouais, c'est fait pour. Ça s'appelle un échauffement. Yes. Il y a des coupures, je pense, le réseau. Ouais, c'est possible. Ouais. Suivant où tu es aussi. Ouais, c'est possible. Bah, nous aussi, hein, là, ça rame un peu. Hein, mais ça arrive, hein, c'est normal. Salut Sophie. Ok, maintenant, deuxième exercice. Deuxième tour, pardon, deuxième bloc. On va passer à un bloc toujours sur quatre exercices. Mais cette fois-ci, on va vraiment attaquer la séance dans le dur. Donc là, ce sont des exercices debout. Pas compris. Envoyez vos commentaires et on se marre, ça nous déconcentre. Ok. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, on va faire pas chassé, kick genou, défente et un petit exercice bonus qui lui sera par contre au sol, le quatrième. Donc les trois premiers c'est debout et ensuite on passe au sol et je vous expliquerai cet exercice-là. Allez. Pas chassé d'abord. Alors. Ce que je peux préciser, c'est que vous allez pouvoir utiliser une bande de résistance, ok? Ça va beaucoup mieux travailler avec ça, d'accord? C'est quelque chose que vous pouvez trouver chez Decathlon, d'accord? Ça ne coûte pas cher du tout, ça fait vraiment bien travailler les fesses, ok? Alors bien sûr, ça va travailler aussi les cuisses, mais là, essentiellement, voilà, les cuisses. Voilà. Fini, c'est parti, là. Ah ouais, non, là. On va voir. Yes. Alors, du coup, vous allez partir d'un côté de votre pièce. Et puis, vous allez faire des pas chassés, mais en étant légèrement fléchi. D'accord? On n'a pas les jambes complètement tendues, parce que sinon, ça ne travaille pas assez. Et sinon, c'est pas assez drôle. On fléchit et on fait des petits pas chassés, sans forcément aller trop vite. Hein. D'accord? Et puis, on va d'un côté et de l'autre. Allez-y, c'est parti. 3, 2, 1, pas chassé, go à la maison, vous suivez Aurélie, voilà, jusqu'à moi, encore, allez, bien, yes, allez, bien, encore, allez, tu vas passer devant là, reviens vers moi, encore, voilà, jusqu'ici, yes. Voilà. Et 4. Et 4. Ouais, bien sûr. Si vous n'avez pas la place, vous faites 2. Alors, ils auraient fait un minimum 2 parce que 1 oui, et 1, c'est pas assez. C'est ce que je pas. Minimum 2, c'est cool. Après, si vous pouvez faire 4, parfait. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Et on enchaîne. Et là, ça commence à chauffer. Hein. Ah oui, je suis là. Ça sent bien les fesses. Mais regardez, si je peux montrer les profils de nouveau. Regardez ses genoux, ils sont toujours pliés en réalité. Elle n'est pas complètement droite. C'est-à-dire, même pas droite, vous montrez la différence. Voilà. Elle n'est pas comme ça. Hein, elle n'est pas tendue au niveau des jambes. Elle est fléchie. Elle est ancrée au sol. Voilà, mini squat tout le long. Voilà. Bien sûr, hein, vous pouvez activer les jambes comme je vous montre. Comme ça, vous pouvez travailler aussi le haut. Ça travaille aussi un peu les abdos. C'est parfait. Et le cardio. Ok. On continue comme ça. C'est bien. Allez, encore. Il vous reste 10 secondes à la maison. Allez, marche pas, je vous vois, Raphaël, il voit tout. Hein, qui c'est qui ne fait pas? Qui c'est qui ne fait pas les énergies, Raphaël? Allez, dis-moi. Allez à la maison. 10, 9, encore, 8, 7, 6. Allez, encore, lâche pas. Regardez, suivez Aurélie, hein. Là, ça chauffe. 5, 4, et 3, 2, 2, allez encore, 2, allez 2, et 2, il y a quoi après, c'est quoi, dis-moi, ça, tant que tu sais pas compter, on s'arrête pas, allez, 2, 1,
Et on voilà. Vous pouvez enlever la bande de résistance. Si vous n'avez pas à la maison, c'est pas grave, vous avez fait 100 aujourd'hui. Vous savez que vous pouvez vous équiper. Et puis, la prochaine fois que vous refaites cet exercice-là, vous verrez. Ou alors là. Ah ouais, là, ça va vous dessiner, ça va vraiment vous calmer au niveau des ischios jambiers, la dernière cuisse et au niveau des fesses, ça va vous faire. Vous savez, les fesses soufflées. Les fesses échauffées, donc c'est des coins fessiers échauffés comme ça. Là, normalement, les fessiers doivent vraiment être échauffés. Les fessiers, oui, là. Incendiés, là. Ah, c'est tous les bons. Allez, deuxième, on est parti pour les tics genoux. Donc, vous avez une jambe devant, une jambe derrière. On va commencer avec une seule jambe d'abord. Voilà. Et vous allez tiquer, vous allez faire un tic genou vers l'avant. Voilà. Exactement. Voilà. Vous pouvez vous mettre un peu le plus vers l'avant pour vraiment faire ça sur le corps. Avant, et vous ne reposez jamais le talon de la jambe arrière au sol. Et vous touchez la pointe de pied et vous montez le genou. Alors allez à votre rythme. Nous, on va accélérer avec le rythme, je vais la faire accélérer. Et puis, du coup, bah, vous vous arrêtez au niveau où ça fait une tête. Ok ? Allez, en place. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. Petit genou, on commence tranquille. Et ensuite, on va accélérer encore et encore. Allez. On y va, vous êtes tranquille et vous soufflez quand vous montez plus vite. Ok ? Souffle. Voilà, ne repose jamais ta croix de la jambe arrière au sol. Parfait. Le pied avant, il est toujours bien ancré. Et on va accélérer dans 3, 2, 1. Et accélère un peu maintenant. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, on y va. Vous suivez, respirez. Et comme d'hab, hein, ton ventre il est tenu, hein, tu ne relâches pas le ventre. Et ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est jambe avant, okay. Elle se fléchit un peu plus, descend un peu plus bas sur la jambe avant, okay. Et dans 3, 2, 1, on accélère encore, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et tu souffle encore, c'est bien, continue, la rappelle de la jambe, ok, pense à bien fléchir la jambe devant, et 10, 9, 8, allez avec nous, allez Coralie, allez Coralie, 6, jusqu'au bout, je te vois, je suis avec toi, 5, allez lâche pas, 4, 3, 2, 1, allez j'ai pas été salaud, t'as vu, change de jambe, c'est vraiment pas celle de jambe là, non, je te garantis que t'auras fait plus, allez, change, 3, 2, 1, et go, commence doucement. On met en place la respiration, vérifie tes abdos s'ils sont serrés ou pas, et puis tu enchaînes. Allez, on y va, c'est bien. Voilà, 1, 2, 1, 2. Allez, encore. Continue ton mouvement, très bien. Et puis, on va accélérer. 3, 2, 1, et go. 1, 2, 1, 2, 1, 2, voilà. Et tu vas fléchir un peu plus hein, le genou de la jambe avant. Ok ? Tu as besoin de tenu, tu le fais bien, et tu ne poses pas le talon d'avant la tête. Ok ? Allez, continue. Fléchis-moi bien ce genou, hein. Ok ? Le genou de la jambe avant. Et on va accélérer encore dans 3, 2, 1, et on y va. 1, 2, 1. 2, 1, 2, allez à la maison. Allez, lâche pas. Avec Aurélie, tous ensemble. Et 1, 2, plus que 10 secondes. 10, allez, 9, 8, 7, allez, moi. 6, 5, 4, allez, encore. 3, 2, 1, et tu relâches. Bravo, super, great. Ouais. Ça chauffe et ça chauffe normalement aussi dehors et tout ça. Là, on est vraiment en train de travailler toute la zone hein, avec les exercices. Là, maintenant, on va faire un exercice plus technique, donc on va faire moins rapide. Par contre, on va essayer justement de le faire correctement. Ça veut dire que si vous avez un support, que ce soit comme nous, une couche ou un mur à côté de vous dans la pièce, une chaise, le canapé éventuellement, quelque chose auquel vous allez pouvoir tenir. Oui, un mur, une poutre.
pouvez vous tenir pour justement avoir les lignes. Alors, c'est ça le plus important. Pas parce que vous êtes un sport, vous allez moins travailler. C'est juste pour avoir plus de souffle. Donc, mettez-le en place. Vous pouvez le sentir ou pas, hein, si vous sentez que vous n'avez pas besoin. Vous allez mettre une jambe devant ou une jambe derrière. Les deux jambes vont être à peu près à 1 mètre. D'accord ? 1 mètre ou un petit peu plus d'écart de l'autre. Le talon de la jambe arrière est plus pour décoller comme pour le tout à l'heure. Sauf que là, on va faire un petit peu de genou. On va descendre le genou de la jambe arrière et regarde Aurélie. Attention à son corps, elle arrive à garder ses cils et à tenir le dos devant. Elle n'a pas forcément besoin de descendre, je ne sais pas, mais elle fait bien son mouvement. Regardez le genou de la jambe avant. Pas du tout vers l'avant. Ouais, un peu quand même. Allez-y. Hein. Mettez-vous en place comme Aurélie. Ok. Et 3, 2, 1. Sur une jambe, on descend et on remonte. Voilà. Si vous n'arrivez pas à descendre aussi bas que vous, alors faites moitié moins bas. Voilà. C'est super important, c'est que ce soit la jambe arrière qui part en premier. C'est la jambe arrière qui donne le mouvement. Yes. Allez-y. Encore. Allez, respirez. Voilà. Respirez, souffle. Respirez bien. Bien, continuez. On sent aussi le mollet, hein, la jambe arrière qui travaille. Ouais. Voilà. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Yes, c'est bien à la maison. Bravo. Allez, soufflez. Encore, hein. On va encore en faire. Descendre l'arrière de cette jambe, de l'autre. Et on va partir sur l'autre jambe. Allez-y. 3, 2, 1. Et c'est parti. On y va sur l'autre jambe. Et pensez hein, à bien garder le dos droit. Regardez Aurélie, hein, le mouvement est très bon. Elle ne descend pas forcément très bas, elle ne va pas très vite, mais elle ne va pas vers l'avant. Surtout pas. Elle tient son ventre, mais elle arrive à respirer. D'accord ? C'est ça que vous devez trouver. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas aussi vite. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas aussi bas. Le plus important, c'est de bien faire techniquement le mouvement pour ne pas vous faire mal et surtout que ce soit efficace. D'accord ? Allez, on y va. Allez, encore. On respire bien. On ne part pas vers l'avant. Hein. Regardez Aurélie. Elle ne part pas vers l'avant ni avec le genou, ni avec le buste. Voilà, elle ne s'effondre pas, elle ne s'affaisse pas. Et elle continue. Allez, encore 10. Exactement. Ouais. Vous pouvez même vous tenir sur le côté hein, si vous voulez. Ça marche aussi. Hein. Voilà, comme ça marche. Hein. Juste pour l'équilibre. Allez, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, allez les superwoman, allez, 2, 1, et on relâche, super, bravo, allez, soufflez un petit coup, prenez votre tapis, et puis on va travailler au sol. Alors, je vous laisse des petits mots d'amour. Et du coup, ici, alors j'ai déjà montré le mouvement, mais il y a très bien les faire avec vous. Vous allez venir vous mettre sur les mains et sur les genoux, ici à faire. Vous allez pointer les pieds
au sol. D'accord ? Vous allez décoller les genoux du sol et puis vous allez faire partir une jambe, la dernière tendue, puis la deuxième, et vous allez revenir avec la première, et revenir avec la deuxième. Et on va enchaîner comme ça. D'accord ? On va doucement. Si c'est trop dur, vous allez 12 fois décoller les genoux. D'accord ? Et si vous y arrivez bien, vous allez faire la tête. D'accord ? Par contre, l'idée c'est que quand tu arrives le genou plié, tu prends du sol. Tu ne pars pas en l'air ici. D'accord ? On prend du sol et je vais juste en planche et ensuite je reviens. Vous voyez, voilà. Vous allez tout bien. Ok ? Allez, celui-là il n'est pas facile. Si vraiment ça devient trop dur, posez les genoux au sol. Et on va faire quelques pauses avec vos lits de toute façon. Mais si vous sentez, vous pouvez le faire. Allez-y, hein. Ne posez pas, vous allez voir. Bien faire travailler les jambes, ça va bien faire travailler les bras, ça va bien faire travailler les abdos. Super complet avec la piscine. Vous avez expliqué par la partie là, vous avez là, justement vers le bas, vers le bas ici, vous allez appuyer, vous allez en mettre, vous allez en mettre, vous allez en mettre, vous allez. Allez, c'est parti. Mettez-vous en place et on y va. 3, 2, 1, on décolle les genoux. Une jambe vers l'arrière, puis la deuxième, et on revient. Voilà. Si là c'est trop dur, vous posez les genoux, d'accord ? Et vous refaites, ainsi de suite comme ça. D'accord ? Si vous sentez que vous y arrivez sans poser les genoux, gardez bien les genoux proches du sol hein, quand vous revenez. C'est ça qui fait bien travailler. D'accord ? Vous pouvez faire comme Aurélie, hein, elle alterne une fois elle ne pose pas, une fois elle pose, ou alors vous posez à chaque fois. C'est vraiment vous qui choisissez votre rythme et l'intensité du mouvement. Bien sûr, ça va dépendre de votre niveau, mais aussi de votre fatigue du moment et de votre maîtrise ou non de l'exercice. Mais ça, ça se travaille, ok ? Ça, c'est des choses qu'on va faire ensemble, d'accord ? Allez-y, encore, encore, encore. On peut faire un peu de la pluie, hein. Ok, maintenant, celle de la pluie, vous venez avec moi et on le fait ensemble, ok ? 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on pose pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout le monde tient en planche. Alors, sur les genoux avec Aurélie, sur les pieds avec moi. Et on tient en planche. Ok ? Allez. Vous avez la position que vous voulez, vous donnez vos abdos et vous respirez 10, 9, 8, 7, 6, allez jusqu'au bout, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Vous avez vu, pas fait de salaud, hein. Je suis pas arrêté de faire jusqu'au bout. Allez, c'est bien, deuxième tour. Ouais, je suis un ange, je suis trop bon avec vous. Bien, le long moment. Je crois que depuis les enfants, ils n'ont pas celui-là. Et ensuite, ça va. Hein. Exactement, c'est bien, ça permet de se rendre aussi. Hein. C'est génial celui-là. J'ai bien senti mes abdos, j'ai bien senti mes bras, mes épaules et les jambes. Et vous alors ? Alors, qu'est-ce que vous avez senti ? Merci d'avoir été cool. Ouf. 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 Aïe, 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 aïe. Ça, c'est grâce à Raphaël. Hein. Oh, merci Raphaël. Vraiment parce qu'il est là. Sinon, je suis pas du tout sympa. Ok, il nous reste un tour. Cette fois-ci, on sera au sol, d'accord ? Et on va faire. Ouais. Super, pas mal. Ouais. Et ouais. Moi, je veux voir. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait au troisième tour ? Ouais, hein, des exercices. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, toujours quatre. Toujours quatre exercices. Allez, il nous reste un tour. Là, c'est le challenge pour celles qui ont encore de l'énergie. D'accord ? Il y a Béatrice qui dit ça fait bien transpirer. Hein. Ouais. Ah ouais, ça fait du bien. Hein. Yes. Chaud, chaud. Ouais. Alors, merci Raphaël. Sylvie qui a bien chaud, chaud. C'est parfait. Merci. C'est cool, ça vous fasse plaisir. Celle-là, on commence bien pour le début de la semaine. Exactement. C'est clair. Exactement l'occasion de se défouler dès le début de la semaine, se faire du bien. Alors, du coup, là, on est au sol. Ok. Toujours quatre exercices. Premier exercice, allez, on va les faire les uns après les autres. On va faire des climbers. Tu arrives à te décaler un petit peu vers là. Et là, on te coupe avec ta tête.
Ouais, voilà, parfait. Donc, du coup, climber, vous êtes en planche sur les mains et sur les pieds. Ouais, si vous devez y aller, bonne soirée. Hein. Si vous êtes bien entraîné déjà, on a déjà fait un bon bout. Hein. Ok. J'ai aimé cette séance, merci, avec plaisir. Bonsoir, je découvre Mariama. Avec plaisir les filles. À très vite. Ouais, vous pouvez faire en replay, bien sûr, c'est le même lien. Allez, Néon Climber pour celles qui font le troisième tour avec nous. Voilà, sur les mains, sur les pieds. Et vous allez monter les genoux en direction de la poitrine. Allez, tranquille pour commencer. Et on va accélérer au fur et à mesure. Si vous avez besoin, vous posez les genoux. Voilà, exactement comme Aurélie vous montre. Donc on va poser les genoux quelques fois. Vous n'êtes pas obligé de poser, d'accord? Mais vous faites en fonction de vous. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, et go! On monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on serre les abdos, on respire. 6, 7, 8, 9, 10. Et on va accélérer un tout petit peu. On accélère un petit peu si on peut. Si on ne peut pas, on pose les genoux. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je continue pour celles qui ne s'arrêtent pas. 9 et 20. On accélère un petit peu. Allez, accélère, accélère, accélère. 1, 2, voilà, ça commence à être de la petite course là. 3, 4, si c'est trop dur, tu poses les genoux. 5, 6, allez, continue si tu veux continuer. 7, 8, 9, 30, les 10 dernières secondes, à fond. On accélère à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, allez, encore, 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 encore. Allez, lâche pas, lâche pas, lâche pas. 7, 7, allez à la maison, avec Aurélie, 8, 8, 8, et encore, 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 c'est pas fini, à fond, allez, allez, 9, 9, 9, et tu poses, il est méchant, c'est méchant, oui, il est méchant. David Guetta, il peut arrêter d'avoir trop de vie, là, David Guetta, il est bourré, ouais, mais du coup, je sais pas si c'est que nous qui l'entendons comme ça, ou si c'est je le laisse, laisse comme ça. Ah ouais, mais nous, on l'entend. C'est ah, la petite blague qui est au ralenti. Bah, donne-moi l'écouteur. Ah la vache. Oh, c'est dur. Ah, ouais. Je pensais qu'il allait se remettre. Vous connaissez, hein, ou peut-être pas encore, mais. Bien quand ça bouge. Ah, c'est dur. Là, c'est vrai que c'est pas terrible. Hein. T'exagères. Ouais, je sais que j'exagère. Ah, je peux pas être tout le temps gentil, hein. Bon, allez, le premier, il est moins, le deuxième, pardon, il est moins cardio. On va partir à quatre pattes, sur les mains, sur les pieds, sur les genoux, pardon. Et on va décoller une jambe, d'accord, plier, et on va la faire monter vers le plafond. Voilà, et on va la ramener devant, et on la fait remonter. Voilà, un mouvement bien ample. Attention à votre dos, ne cambrez pas, hein. Ne donnez pas un à-coup fort vers le haut. Ça, c'est pas bon, ça, ok? Au secours, Raphaël, apprends à tomber à ton père! Exactement. Et Kleinberg m'a hantise, mais ça va venir. Yes, Aude. Bravo, les filles. Allez, on y va. Première jambe, à quatre pattes, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, c'est pas ma faute. 7, 8, allez les filles, 9, 10, encore, 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 1, 2, 3, 4, 5, allez, 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 6, 7, 8, 9, et 20, tu bloques en haut, tu bloques, et tu fais des tout petits, 1, 2, allez, 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 super bon mal, allez les filles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu relâches. Et tout de suite, tu changes de jambe et tu pars de l'autre côté. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien, 6, 7, 8, allez, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. 9, 10, 1, et 2, on continue, on continue, on continue. Attention à votre dos. Tenez bien vos abdos aussi et respirez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on bloque. Et on fait les petits à-coups avec la jambe.
Allez, c'est parti. Ah, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bout, tous ensemble. 6, 7, 8, 9, et tu relâches. J'en peux plus, désolé, bonne soirée. Mais sois pas désolé, tu t'es déjà super entraîné, super bien entraîné, c'est top. Ça marche, pas de soucis si vous devez y aller. Là, on déborde un petit peu, c'est normal. Là, c'est plus ce challenge, le troisième tour. Vous commencez à être fatigué, ça commence à tirer sur l'organisme, ok, donc c'est normal, c'est normal. Hein. Et si vous sentez que vous manquez un petit peu de souffle, vous avez une petite forme, bah, venez nous en parler en rendez-vous. Prenez un créneau, là, vous avez le lien qui est juste autour de la vidéo. Vous prenez rendez-vous, on en discute et vous allez voir. Ah, il y a Béatrice qui dit « je l'ai fait ». Bah voilà, parfait, super, génial. Troisième exercice, allez, il ne reste plus que deux exercices à prendre, on va terminer. Maintenant, on va se mettre allongé sur le dos. Alors, les superwoman, si vous avez, vous pouvez utiliser des poids de cheville, si vous voulez. OK ? Allez, on tient bon, c'est bien. Courage, les filles. Merci pour ce cours. J'espère arriver à refaire le replay. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, Colette, tu vas faire. Allez, c'est le même lien, Colette. Hein. Tu cliques sur le même lien, tu as accès à la vidéo. Donc, on est sur le dos, jambes pliées, les bras tendus le long du corps. Et on va monter notre bassin. Les superwoman, si vous voulez vous équiper de vos poids de cheville, vous pouvez le faire et on vous attend encore 30 secondes. Et ici, si jamais vous venez d'un pied, vous ne le savez pas, ici un creux dans le bas du dos, là, si vous voyez ici, vous pouvez pas creuser, il faut vraiment ici venir prendre votre bassin et hop, l'avant vers l'avant, vers le haut ici, et reposer. Mm-hmm. Et là, vous êtes bien à plat et c'est nickel pour le dos. Pour les exactement, ouais. Voilà, ça c'est super important. Pour les mamans, pour, voilà, pour toutes celles qui ont un problème avec le périnée en général, ça arrive avec les enfants, la grossesse. Donc, écoutez bien ce que vous dit Aurélie parce qu'elle est spécialiste. Donc, vous allez décoller maintenant le bassin. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester à chaque fois 3 secondes en l'air, en serrant les fesses au maximum. Là, c'est plus fessier chauffé, c'est plus fessier brûlé, c'est fessier carbonisé, là. D'accord ? Donc, vous montez votre bassin là-haut et vous restez 1, 2, 3 les fesses serrées et vous relâchez, mais sans poser au sol, vous redescendez et vous remontez direct. Et encore 1, 2, 3, et on va faire ça. Et on enchaîne. Encore. Allez, ça fait 2, et on y va. 3, on redescend. Et 4. Allez, on serre, on redescend. 5. Ouais, il faut serrer à fond, là. Le max que tu peux, là. Allez, encore. Encore. Tu mets toute l'énergie ici, hein. Exact. Ici, ça doit passer. 6. Allez, encore, encore. 7. 8. 9. Reste bien 3 secondes. Hein. Monte et 1, 2, 3, tu serres. Maintenant, tu restes en haut et tu vas faire des tout petits mouvements, mais avec les fesses tout le temps serrées. OK ? Et on ne s'arrête pas tant que je ne le dis pas. D'accord ? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, salut Sandra, viens avec nous. 6, 7, 8, 9, 10. Encore plus petit et encore plus rapide. 1, 2, 3, 4, allez, tu serres. Allez, tu carbonises les fesses. 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas fini. 9, 8, 7, 6, jusqu'au bout. 5, 4, 3, 2, 1, et tu restes en haut. Et là, tu vas décoller la jambe, une jambe, la jambe droite, allez, du sol. Et tu vas avoir les deux genoux à la même hauteur. Voilà, descends un peu tes genoux. Ouais, vas-y, monte la jambe. Hein. Voilà. Et 1, 2, allez, on respire. Ah, c'est dur. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Allez, les filles, c'est bientôt fini. Après ça, il ne reste qu'un exercice. Et 1, 2, on respire. On monte son bassin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9
Et on relâche. Aïe, 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 les fesses, ça fait mal. Hein. Ça chauffe, hein? Ça chauffe. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va travailler un tout petit peu au-dessus. On va travailler toujours les fessiers, mais on va travailler aussi le bas du dos. Pour celles qui ont mal, celles qui souvent se plaignent de douleurs à ce niveau-là, au niveau des lombaires, et ben du coup, on va venir s'allonger sur le ventre pour le dernier exercice de la séance. Et on va venir travailler cette zone. Donc, toujours les fessiers, hein, mais aussi le bas du dos. Alors, ce qu'on a fait juste avant aussi. Hein, et là, on va vraiment le cibler encore plus. Oui, super. Exactement. Normalement, cet exercice, il s'appelle Superman. Mais nous, on a décidé de l'appeler Superwoman en l'honneur de toutes les membres du programme, du même nom. Et justement, pour vous montrer que vous êtes capable. Allez, c'est parti. On tend les jambes, on tend les bras devant. Et on va monter. On va décoller les bras et les jambes en même temps et reposer. Voilà. Essayez de suivre Aurélie. Et soufflez bien quand vous redescendez. Vous soufflez quand vous descendez au sol. Allez, 1, 2, 3. Allez, c'est le dernier effort. Il vous reste 2 minutes d'effort, après c'est fini. 4, 5. Ouais, c'est bien ça. Allez les filles. Allez les filles à la maison. 6, 7. En live ou en replay sur Fit Club. C'est bientôt fini. 8, 9 et 10. On repose plus et on va plus vite. On accélère. 1, 2, ouais, c'est ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on bloque en haut. On tient, on tient, on tient. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On respire, 6, 7. Ouais, allez, Raphaël. 8, 9. Et on fait des petits battements avec les bras et les jambes. Petit battement avec les bras et les jambes. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 6, 7, 8, 9. Et vous posez. Bravo. Bien joué à la maison. Bravo. Super. Vous avez fait une super séance. Vous avez fait 3 tours. Vous avez fait un hit complet. Vous avez fait même 3 petits hits en fait en vrai. C'était 3 tours de hit. Vous avez super et bien travaillé. On a tout bossé. Hein. On a tout bossé. Les bras, le dos, les abdos, les obliques, les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, même les mollets. On s'est carbonisé les fesses ce soir. Ouf, super pour Véronique. Alors, yes. Ça va à la maison? Bah ouais, yes, fait jusqu'au bout, intense. Béatrice est trop contente. Merci à vous trois. Bonne soirée, Florence. Salut, ciao, bye. Yes. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est venir sur votre tapis. On va faire quelques petits étirements quand même. Donc, on va se mettre en tailleur. Moi, je vais faire les étirements avec vous. Hop. Non, bah, fais-les, toi, t'as fait les dégâts. Oui. Ça va, ce sera mieux que ce soit toi. On va se mettre en tailleur. C'est génial, sacrée séance. Merci, bonne soirée, c'était top. Super, génial. Merci. Merci pour les comptages. Et merci à Aurélie qui a bien travaillé. Ouais, c'est clair. Sinon, j'aurais abandonné bien avant. Ah bah voilà, on sert à quelque chose quand même. Merci. Merci Aurélie, Alex, Valérie. Salut Valérie. Yes, super, on a bien travaillé. Possible de visionner depuis YouTube, Véronique. Oui, en replay sur YouTube, tu pourras, ouais, exactement. Alors, mettez-vous en tailleur, mais les deux pieds qui se touchent, pour celles qui veulent faire un petit étirement. Et puis, vous allez vous tenir le plus droit possible. OK. Et puis là, il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin avec les genoux au sol. Hein. Normalement, là déjà, vous devez sentir que ça étire l'intérieur des cuisses. D'accord ? Il y a Colette qui lâche ce petit. Et ouais, on va prendre bien. Et ouais, hein, franchement, chapeau. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est en live ? Eh, ça fait bientôt 50 minutes qu'on est avec vous. Il n'a pas vu un mot. Et on est à 10 minutes avant. Et en plus, il est malade. Donc, ouais, c'est un champion. Et si il y a bien de droit un maximum, bien maximum, c'est pas facile. Non. Ici, vous êtes tous courbés, avancez un peu les pieds, ça permet ici d'attacher sur le dos. N'hésitez pas à pousser un peu les pieds vers l'avant, plutôt d'être tout contre le nez ici. Et il n'y a pas besoin, regardez, d'avoir les pieds qui vont forcément se rapprocher le plus possible. Hein. Vous pouvez avoir les pieds comme Aurélie un peu devant, ça tire quand même, surtout en fin de séance comme ça. Hein. Le but, c'est pas d'aller s'étirer au maximum, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose en général. Donc, faites des étirements tranquilles, il ne faut pas forcément sentir quoi que ce soit. Il faut juste que ça détende en fait.
Alors, pour le haut du dos, ce que vous allez faire, c'est que dans la même position, vous allez croiser les jambes complètement. Vous n'allez plus être en tailleur comme ça, mais vous allez croiser les jambes. Et vous allez attraper vos bras. Non, ça aurait pu rester comme ça, c'était plus visuel. Vous allez croiser vos mains, mais derrière. Vous allez vous attraper les mains derrière, en fait, avec les bras tendus. Et vous allez tendre les bras, vous allez tirer sur vos bras. Voilà, exactement. Et puis, vous allez les monter un tout petit peu. Le plus que vous pouvez, mais sans trop forcer, hein, sans vous faire mal quoi que ce soit. Et vous pouvez même partir avec le buste vers l'avant et monter un petit peu les bras. Voilà, vous allez sentir que ça attire derrière, en fait. Voilà, vous respirez. Et puis, vous relâchez. Voilà. Là, maintenant, tu peux te mettre de face. Et puis, vous allez étirer aussi le tronc. Donc, en passant le bras sur le côté. Voilà. Enfin, en l'air et le tronc sur le côté. Non. On change de bras, on change de côté. Et enfin, pour le dernier exercice, le dernier étirement, et après on aura terminé la séance, vous pouvez vous mettre debout, ok, face à l'écran, face à la caméra, et puis en fait, vous allez écarter vos jambes largeur de bassin, à peu près. On va peut-être même moins que ça, si tu veux. Et puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre gentiment, vertèbre par vertèbre, vers l'avant, vers le bas, tranquillement. Ouais, tu vas beaucoup trop vite. Vous allez beaucoup moins vite courir, hein. Vraiment y aller moins vite. C'est tranquille. Hein. Allez, si vous allez tranquillement, voilà, relâchez bien la tête, ouais, tu vas encore mille fois trop vite, il faut aller beaucoup moins vite que ça, beaucoup, beaucoup moins vite. Faut vraiment se laisser gentiment partir vers le sol, vous relâchez les bras, vous relâchez la tête, vous relâchez le dos, la colonne vertébrale. Peu importe si vous descendez pas trop bas, hein, c'est pas grave, on s'en fiche. Respirez, 10, 9. 1, et là vous remontez, mais doucement, tout doucement, vertèbre par vertèbre, gentiment. Ne vous faites pas mal en montant trop vite, ce serait tellement dommage après une belle séance comme ça. Et une fois redressé, vous pouvez faire un petit saut de pied. Ça fait mal. Voilà. Et vous avez terminé votre séance. Bravo, bravo tout le monde. Bravo les superwoman, bravo les filles. Vous êtes au top. Et puis, bah, bravo à vous aussi. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Il est gratifié d'un petit pourrir à la fin. Super. Bah, merci à vous d'avoir suivi en tout cas. Puis si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, hein, qu'on discute, qu'on fasse connaissance. Et puis comme ça, vous verrez Raphaël me tirer les cheveux. C'est pas moi qui parle, c'est lui qui m'attrape la tête. Voilà. Donc, je vais vous laisser avant qu'il me défonce tout mon matériel. Et je vous souhaite une excellente continuation. Et puis, bah, du coup, pour les Superwoman, on se retrouve à partir de demain pour un nouveau cours sur Zoom. D'accord ? On vous a envoyé le lien, on vous le renvoie par email. Donc, regardez bien vos emails, c'est important. Si vous êtes nouvelle, surtout, hein, que vous n'avez pas l'habitude. Allez, bonne soirée tout le monde et à très vite pour un nouveau cours sur Fit Club et avec le sourire.